propague. Ouais, 73 à tous. 14 km, 33 à 01, Rémi. L'ND 33 sur la Gironde. Bon, eh bien, c'est le temps. Et je ferme la fenêtre. Baisse le volume. Alors, la météo, là, en ce moment, ici, c'est. Eh bien, il y a. Allez, autour de 20 degrés. Entre 17 et 22. Et c'est les giboulées de mars au mois d'avril. Waouh, faut suivre là. Bon, alors. C'est que l'X. Appel en direction du groupe des Tannons. Appel en direction du Québec Canada pour 14 km 33-01 Rémi. C'est que l'X. Appel en direction du groupe des Tannons. Appel en direction du Québec Canada de 14 km 33-01 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. C'est que l'X. Appel sur la fréquence moniteur des kilomètres pour 14 km 33-01 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, dans le secteur de Saint-Émilion. C'est que l'X. Appel de 14 km 33-01 opérateur Rémi. Qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. D'accord, la propague n'est pas de ce côté-là. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion. Aïe, aïe. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion à Saint-Pédarmand exactement. Bon, vu le signal, c'est pas la peine. Ouais, comme entendu, ou plutôt comme rien entendu sur le canal 6, là je m'attendais pas à mieux. C'est
CQE CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel et propose un QSY sur le 27 445. CQE CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. CQE CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel et propose un QSY sur le 27 445, le 27 445. CQE CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde, sur le sud-ouest de France. CQE CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde, dans le secteur de Saint-Émilion. Bon, d'accord. Aha. Oui, les 73 stations, c'est très très QRP de mon côté. Les 73 de 14 km, 3301 Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, sud-ouest France, dans le secteur de Saint-Émilion. Retour Olivier. Ah, c'est un. J'y ai cru. Pas t'as cru. Bon, tant pis. Ça, c'est le Brésil. CQE CQDX, appel de 14 km, 3301 qui lance appel et propose un QSY sur le 27 325, 27 325. CQE
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, dans le secteur de Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, sur le sud-ouest de France. Non, ça veut pas. J'ai pas beaucoup de chance en ce moment côté contact. De la réunion derrière. Bon, le couloir est pas trop de mon côté. Tiens, je vais en profiter. Pour ceux que ça intéresse, un fichier Excel a été créé pour les différents contacts, pour en faire un carnet de trafic. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens utilisent le papier, donc quoi que ce soit d'ailleurs, pour informatiser au maximum. Donc, en téléchargement, soit sur le forum La Planète Sibi Francophone, soit sur les réseaux sociaux, vous avez un carnet de trafic Excel qui a été mis à disposition. Alors, il y a de quoi remplir hein, dedans. Il y a plus de 2000 lignes de créer, et ça répété sur au moins 5 pages qu'on peut reproduire après à volonté. Alors il est utilisable sous Excel, sous OpenOffice, sous LibreOffice ou quoi que ce soit d'autre. Et même sur téléphone, sur smartphone, je l'ai testé là sur mon smartphone, ça marche nickel. J'ai commencé déjà à rentrer un contact dedans. Après tout, puisque l'avenir va par là, et bien pas de soucis, au contraire, hein. Ça fait du papier en moins qu'on risque de perdre. Et côté téléphone, eh bien, il suffit de sauvegarder sur son drive perso. Hein. Voilà. Hein. Alors certains me diront, il y a des sites internet qui font déjà ça. Oui, mais c'est sur les sites. Il suffit que les données du site soient perdues ou piratées. Là, ce fichier Excel, qui est facile à créer hein, ou à télécharger pour remplir, il suffit, on se le garde de côté, hein, soit sur son téléphone, soit sur son PC, ou sur un drive perso, et puis voilà, il pourrait jouer. Hein. Voilà, donc carnet d'adresse, ah, pour les uns, la planète Sibi francophone, pour d'autres, carnet trafic kilomètre, du côté Québec,
Eh bien, il y a aussi canet de trafic du groupe des Tannants francophones. Et puis, si le nom mis dedans ne plaît pas, ben, il suffit de l'échanger, puis c'est tout. Hein. C'est libre d'usage. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, pour ma part, je suis un petit peu coincé, ralenti dans les bouchons de Libourne. Côté radio, j'aurai ça tout à l'heure quand il y aura un peu moins de QRM par la même occasion. La propague en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est plutôt, enfin j'ai l'impression, c'est même sûr, elle est plutôt vers fin d'après-midi par là. Quoi que je dis ça, mais tout dépend des endroits, quoi. Tout dépend des QTH. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, au département de la Gironde, et propose un QSY sur le 27-625-27625. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Ah ben c'est pas gagné l'affaire. Un peu trop fort l'écho. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France et propose un QSY sur le 27-625-27625. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, entre Libourne et Bordeaux. Elle sent 10 à l'heure. Après, ils vont venir se plaindre qu'il y a des radars partout. Logique. Bon, s'il y a des radars partout, hein, c'est bien à cause de ceux qui respectent rien. On est en France. Alors, je dis ça en déconnant comme ça, parce que je me souviens, étant QRPP, je me souviens qu'on se moquait souvent des Italiens. C'était, et c'est toujours, du grand n'importe quoi au niveau de la conduite. Mais je crois qu'en France, on les a bien rattrapés sur le coup. Et peut-être même dépassés. Hein.
CQE, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-est de France et propose un QSY sur le 27 445, 27445. CQE, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-est de France, entre Libourne et Bordeaux. CQE, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence monitor des kilomètres depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, entre Libourne et Bordeaux. Station fréquence pour Dindy 33 qui lance appel depuis la rocade de Bordeaux. Et une antenne sur le camion, une. Attention, les stations fréquence pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux. C'est bien calme là aujourd'hui, quoique c'est vrai qu'on est dimanche. Non, on est samedi. Bon, on est samedi, tout le monde est dehors. Ah oui, ça se voit. Je connais qui va arriver en retard au boulot. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis la rocade de Bordeaux.
Attention, 100 heures, 100 heures pour Dindy 33 qui t'appelle. J'entends un peu gazouiller dans le lointain, mais c'est beaucoup trop QRP là de mon côté là. Les 73-51, la station de Dindy 33 sur la rocade de Bordeaux. Eh bien tant pis. Ça fait quand même beaucoup de monde qui vont faire leur course. Hein. Il y en a un qui m'a moustaché là. Là où je suis, c'est pas le meilleur endroit pour lancer un appel DX. Je suis j'arrive dans une cuvette. Ah, il y a le retransmetteur de Bouillac qui est pas très loin. Voilà, pile devant. On le voit là sur la caméra. Sur le camion à droite. Attention, station fréquence pour Dindy 33 qui lance appel depuis la rocade de Bordeaux.
à la hauteur de Bouillac. On devine quelque chose derrière, mais bon. Ah, il faudra un haut-parleur DSP, là, sur le coup. Allez, 73-51, station 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 sur Bordeaux. My location is 116 Division in Izmir, west of Turkey. My name is Charlie Alfa November, Economy of Janash. My call sign Tango Alfa 3 Alfa Charlie. How do you read me? Over. Allez, 73. 14 km 03 01 QTH Bordeaux Sud-Ouest France. Hey, yes, ne vous moquez pas, j'ai fait des efforts là. Your voice is broken because of lots of people on this track, I see. Ah, je suis perdu. Please repeat again. What is your country? What is your division? Division French, Bordeaux, QTH, Bordeaux, French. Sir, can you on the channel 20, there are lots of people on this channel, I don't understand you, what you say. Please up the channel 20. I am sorry, no speak English, I speak French, sorry. J'aurais pas lui donner de faux espoirs. Bon, comme quoi, vous voyez, quand on n'arrive pas à attraper quelqu'un en dé... Alors ça va être un petit clin d'œil. Hein. Quand on n'arrive pas à attraper quelqu'un en BLU, eh bien on passe en AM. Alors je crois avoir compris, c'était la Turquie. Hein. Ah, entendu ici à gauche. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était la Turquie, je suis pas sûr. Bon, alors là, il va faire très chaud là aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que je dis? Ouais, la température va monter d'un coup. J'ai fait un très très gros effort en anglais. Ah oui, je m'épate là. Ah ouais. Pas mécontent, j'ai quand même bien au contraire, j'ai quand même fait un contact. Alors 18h15, ouais, j'ai dû commencer à l'attraper à 18h15, ouais, à voir si j'arrive à recopier comme il faut son indicatif, son QRZ. Après, pour le reste, eh bien, je verrai ça dans la vidéo. Et si c'est bon, ça sera ajouté à mon carnet de trafic. Et certainement en même temps sur Cluster DX. Ouais. Content, Rémi, content. On va attaquer le pont. Oui.
station, station fréquence pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis Bordeaux, le sud de Bordeaux. Ah, c'est bon. J'ai beaucoup de QRM de mon côté, les 73-51 retournés, voilà, depuis Dindy 33 sur le pont François Mitterrand au sud de Bordeaux. C'était court, mais c'était beau. Bon, ben, j'ai passé le pont. J'étais complètement perdu la station, mais bon, le contact confirmé. Hachi. Là, je suis à nouveau dans les QRM, dans les bouchons, dans, eh ben, dans tout, là, au sud de Bordeaux. Là, j'ai entendu là. Comme quand vous voyez, la CB, eh bien, il faut l'utiliser suivant le moment. Et non pas comme font certains par snobisme, parce qu'ils ont un certain type de matériel et tout, ça c'est de la connerie ça. Il faut adapter la CB. Il faut adapter la CB, il faut adapter le mode à la situation, au moment présent. Et ça marche beaucoup mieux comme ça. Et en même temps, ça permet de tendre la main aux éventuels nouveaux qui seraient sur le canal au même moment. Parce que le truc qui se passe, c'est qu'en ce moment, on voit beaucoup de matériel neuf en vente. Et pourquoi on voit beaucoup de matériel neuf en vente? Parce qu'ils arrivent sur la CB, donc en toute logique, de ce côté-ci, sur les 40 canaux homologués, ils écoutent, ouais, c'est petit, ouais. Ils écoutent, ils lancent des appels, personne ne répond, ben parce que les gens sont en sup, et partent du principe que c'est au nouveau d'aller vers eux. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Un nouveau, faut le prendre en main, faut lui expliquer, faut lui montrer, faut lui donner envie de continuer. Et à propos de le prendre en main, de lui donner envie de continuer, vous avez le forum, la planète CB francophone qui est là pour ça. Justement, nous, c'est notre créneau, ça. Oui, j'ai cru entendre. Oui, j'ai entendu à nouveau la station qui lançait appel. Les héros 73-51, je suis à la hauteur de la sortie Bègle. Voilà, sortie Bègle, sortie numéro 20 sur la rocade de Bordeaux, là au sud de Bordeaux, là coincé dans les bouchons. Mais c'est très très QRP dans les de mon côté avec pas mal de QRM. Ah ben c'est lui qui me répond. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a des petits malins qui doivent se mettre en FM. Mais pour rappel, le canal 19, son usage est exclusif en BLU. C'est pas moi qui l'ai décidé ainsi. c'est l'utilisation mondiale qui est comme ça, du canal 19. Ah, Turquie, ouais, là c'est confirmé. Oh, il faudrait que je repasse à ce passage-là. J'ai son indicatif là. Bon bah en tout cas la mèche de la radio, et bien ça commence comme ça. Et petit clavier pour certains, descendre sur les 40 canaux
et en AM, ça n'a jamais mis un poste en panne. Je dis ça pour l'avoir réellement entendu par plusieurs sur les ondes. Comme j'ai entendu dire que l'AM... Alors oui, comment on me l'a sorti? Oui, voilà. L'AM, ça casse plus les oreilles, ça casse plus la tête. Voilà le mot employé. Ça casse plus la tête que l'AFM. D'accord? Tiens, je vais le mettre ici. Là. Là, il n'y a rien. Là, vous mesurez un petit peu le niveau du volume. Je passe à l'FM. Bon, ben je crois que c'est vu. Hein. Alors quand on me dit que l'AM casse plus la tête que l'AFM, il y a de la mauvaise foi derrière. Hein. Et pour ma part, petite précision, c'est parce que j'ai des soucis d'acouphène. C'est pour ça que je descends pas aussi souvent que ça en FM. Voilà, je sais pas ce qu'il y a. Eh bien, il est temps d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. CQE, CQE, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le site de Bordeaux. Il y a quelque chose derrière, mais je sais pas. CQE, CQE, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud de Bordeaux. En fait, j'espère que je n'ai pas raté ma sortie, moi. Je vais les reprendre. Oh, je crois que c'est bon.
Là, ils sont fatigués. Bah, ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Hein. C'est. Faut prendre ça en déconnant et puis c'est tout. Quoi. On joue pas sa vie là-dessus. Hein. Alors, je dis ça par rapport à certaines réactions que j'entends. On joue pas sa vie là-dessus. Hein. C'est bon, hein, il fait beau et on en profite, hein, et puis voilà. Donc. Et puis il y a plein de fréquences. Hein. On n'est pas obligé, on n'est pas tenu de lancer appel uniquement sur les fréquences d'appel. Hein. Regardez les radioamateurs. Hein. Ils se mettent sur n'importe quelle fréquence, ils lancent appel, et puis ça mord pas, c'est pas grave. Hein. Il anime la fréquence. Alors lui, je l'entends appeler en utilisant des noms de pays, de villes et tout ça, mais ça trompe. Pourquoi ne pas utiliser le vrai alphabet international? Comment ça passe la haine? Et c'est propre, hein? Attention, 100 euros pour Dandy 33 qui t'appelle. Je crois que je me suis trompé de route. Je vais être obligé de mettre les gants qui partent seuls.
Bon. Alors voilà. En direction de la bonne route. Ah, ça me fait visiter comme ça. La voie rapide. À moins que... Ah, d'accord. J'ai rattrapé la route où je devais sortir. Thank you, Je vois les chevaux à gauche. Quand je pense que j'en ai quand même 110 qui tiennent sous le capot. Des belles baraques par ici. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais bon, non, je pense pas. Je vais faire un peu juste. Ben c'est des coins où je me verrais bien habiter, mais là il y a intérêt à avoir un pylône de 20 mètres de haut. Oui. Vous avez vu comment ça absorbe les ondes? On a du calme là sur, le, du coup, là, sur les ondes. Même les QRM ont du mal à arriver jusqu'ici.
GPS, il me dit de rester sur la voie de gauche. C'est quoi cette connerie? C'est une route à double sens. Là, en montant, on devrait peut-être sentir la différence. Ah bah c'est les zèbres qui sont plus là pour le coup.